Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner un dragon. Hello everyone and welcome to Drawing with Paolo. Today we're going to be drawing a dragon. So, as you can tell, I've started with the head and the ears already. Here's the jawline. Donc, j'ai déjà commencé la tête et les oreilles. Vous verrez ici, bien sûr, son cou. Here's his long neck. The back of his neck, l'arrière de son cou. La courbe intérieure qui se rend ici à la poitrine. This curve goes right into the chest and belly area over here. And then we're going to add his back line up here. Donc, la ligne de dos en haut. Ici, ça, son épaule de gauche. Avec son bras et son coude. Here's his left shoulder, arm, and forearm. And the paw goes sort of out of screen. Donc, sa patte ira à l'extérieur de l'écran. On ne verra pas aujourd'hui la patte du dragon. Donc, on va faire maintenant son bras droit. Let's now draw his right arm. Pull it down, and I'll just put a little bit of an elbow here, and we'll figure that out afterwards. There we go. On efface les lignes de fondation, let's erase the foundation lines and add more detail to the ears. Nous allons ajouter plus de détails aux oreilles, et bien sûr à la mâchoire, donc la mâchoire supérieure, les dents, la bouche ici. Here's the mouth with the beginning of an idea of where the teeth will be. The eyebrow, donc les sourcils sont à peu près ici. C'est des dragons ont des sourcils. Voilà. There you go. The little eyebrow line at the top. And then we're going to add a little bit of an eye over here. So on va lui ajouter un œil. Comme ça. En forme d'amande. Almond shape. And let's erase those lines that we don't need. Nous effaçons ensuite les lignes que nous n'avons pas besoin. Une narine. Deux narines. Two nostrils. And let's add some nice big bottom teeth. So on va ajouter des grosses dents pointues. Pour le bas de cette mâchoire. Voilà. Et maintenant, peut-être quelques cornes ou... je sais pas trop comment appeler ça dans le bas de son menton ici. We can add some horns here underneath his chin. Not too sure what to call these. Et la ligne de contour pour les oreilles et peut-être un dessus osseux. Un dessus de la tête osseux. So, a bony... protruding head, his eye here on the right side, ses dents ici en bas. Peut-être qu'on pourrait mettre peut-être un pic qui sort de la mâchoire aussi. Maybe we can put a little bit of a spike on the side of his jaw. I'm gonna try that soon. I'm just gonna finish up his teeth. Je vais terminer ses dents ici. Puis ensuite on va mettre un petit pic qui sort de sa mâchoire. What we're gonna do is add a little spike there, right here. Anyway. Finish the neck here a little bit. Nous allons finir le cou en premier. Mettre cette ligne d'épaisseur un peu comme celui d'un serpent. Finish the belly here just like a snake's belly. With these curved lines, avec des lignes courbées pour chaque section. Je vais accélérer cette illustration. C'est pas si difficile. So I'm going to accelerate the illustration part because it's not that difficult. And then we're going to retrace the outlines. Ensuite, nous allons retracer les lignes de contour du dessin. Voilà. There you go. Nice little bony features on the top of his head, the contour of his ear, and then his forehead, his eyebrow, his snout, contour de sa tête, son front et ses sourcils. Son œil, bon, on va rendre ça très foncé ici, autour de l'œil. Let's make it nice and dark around the eye. Speed that up a little bit. Nous allons l'accélérer un petit peu, cette illustration. Ben, je suis sûr que vous êtes capable de dessiner cette section maintenant. Surtout si vous me suivez depuis plusieurs années maintenant. Donc, ça fait depuis 2010 que je fais des vidéos pour YouTube. Et vous êtes plusieurs à me suivre maintenant. Alors, voici ce pic que j'ai décidé de mettre sur sa mâchoire. Here's that spike that I've decided to add to his jaw. And that's what's cool about dragons, is you can draw them the way you like, and whenever you feel like adding something to them, customizing them, then you can. Et c'est ce qui est bien d'un dessin de dragon, lorsqu'on veut ajouter des éléments nouveaux au dragon, un pic ici, une corne là, ben on peut le faire, parce que c'est notre illustration. Alors j'aimerais bien que vous illustrez votre dragon, et que vous me l'envoyez sur ma page Facebook. Il me ferait plaisir de l'afficher pour tous.
I would love you to draw your own dragon, you know, using my drawing as a foundation, but building your own dragon and then sending it to me on my Facebook page. I'd love to be able to show it to everybody. All right, retrace the outline. Je retrace la ligne de contour. Parce qu'en gommant de temps en temps ou en effaçant, on a tendance à effacer des parties qu'on voudrait garder, mais c'est pas grave, on retrace par-dessus ensuite, c'est tout. You know, when you erase a few lines, it's possible that you get to erase lines that you wouldn't want to get rid of. And so we're going to retrace them simply. And I always draw very lightly at first and then press on top once more later on, right? So that will ensure that when you erase, it's a lot easier to get rid of those lines. Alors, c'est très important de dessiner très légèrement la première fois et de peser un petit peu plus fort ensuite. Comme ça, lorsque l'on gomme, lorsque nous effaçons, c'est plus facile. Je vais lui mettre des pics sur le fond. I'm going to put some spikes on his head here. I like that look. I'm going to do that. J'aime bien ce look. Je vais faire ça. Et puis, je pense que je vais en mettre même au milieu ici. I think I'm going to add even a few here in the middle. And who knows, maybe I'll color those in black later on. Peut-être que je les colorerai en noir plus tard. Alors cette oreille étant dans le fond, sera plus foncée. This ear in the back will be darker. It gives that illusion of depth. Ça donne cette impression de profondeur. Tandis que l'oreille ici, ben, on va voir son entrée. Le trou de l'oreille. Here's the hole for his ear. And we'll color that in, making that look deeper inside. Donc, en le coloriant à l'intérieur ici, on a l'impression que l'oreille est plus creuse, plus profonde. Nous allons maintenant effacer toutes les lignes de fondation autour de la tête. We're going to now erase all of the foundation lines from the top of the head. Which now brings us to drawing the leg, the hind leg. Donc, maintenant, nous pouvons dessiner la jambe arrière avec des plis de peau. Donc, voici sa cuisse. Here's his thigh, his calf, son mollet, son genou, his knee. We'll erase the foundation lines here at the shoulders and legs. Nous effaçons les lignes de fondation au niveau de l'épaule et de la jambe arrière. Et maintenant, nous pouvons dessiner les lignes de contour pour son cou. We can now retrace the outlines to his neck. And these lines need to be curved because this has a thickness. So I'm going to curve these lines rather than keeping them straight. Alors, nous allons courber ces lignes ici parce que ces éléments-ci ont définitivement une épaisseur. Alors voici, je dois courber ces lignes. Et j'accélère le pas parce que bien sûr, lorsqu'on en fait un, vous savez comment en faire un ou deux à vitesse normale, j'accélère le reste pour accélérer mon processus. You'll often see me drawing something at normal speed, but then I'll accelerate the rest because I've shown it to you once, and every other movement that's accelerated is the same as the first, so I'm sure you're able to follow along in the next steps. So let's trace the outline of his arm, adding a bit more muscle to this arm. Donc, je retrace les lignes de contour de ce bras et en ajoutant plus de muscles qu'auparavant. Et bien sûr, des lignes qui se chevauchent, qui donnent cette illusion d'épaisseur aux muscles et de profondeur à certaines parties. So I'm adding more muscle to this body and adding overlayered sections like here. And that allows me to give the look of thickness to these muscles. It gives a bit more realism. Voici ce qu'on appelle les deltoïdes, que c'est très rond, on veut les arrondir plus tard avec de l'ombre, donc on doit reproduire cette illusion de rondeur. These are the deltoids and they're very round in shape, so we need to produce that rounded form with these lines. Just like that. And then with shading, we'll make it rounder even later on, even more round. So here's the wing, voici son aile, l'aile du côté, je dirais gauche. Here's his left wing, not ring, because he's not wearing a ring. He's a dragon, he doesn't wear rings. It's his left wing, with those fingers in between here. Alors, avec les petits doigts entre chaque section d'aile. On va dessiner ça plus haut encore. So let's draw this part even higher. And then spikes off the top of the wings. Ça va ajouter des pics sur le dessus de cette aile. Disons au coude de l'aile si on veut. Et puis j'invente au fur et à mesure. Ça, c'est une illustration que j'ai même pas fait de recherche au niveau de dragon. Je dessine des dragons depuis que je suis tout petit. Alors, je vous présente comment je dessine des dragons de temps en temps. Ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas dessiné un. Et voici donc mon image ou ma perception de ce que c'est un dragon.
So this is a dragon that I'm just drawing freehand. I've not even researched dragons this time because I've been drawing dragons for a while, and I haven't drawn one in a while, but I used to draw them when I was a kid. And you know, you can just pretty much draw whatever you like as far as dragons are concerned, and inventing as I go along. It's a lot of fun to be able to add details left and right when I want to. Alors j'invente des éléments au fur et à mesure pour ce dragon, et j'ajoute donc des éléments que je veux. Et vous pourrez faire la même chose de votre côté. C'est votre illustration, vous le faites de la façon dont vous voulez. Ne laissez personne vous influencer. À moins que ce sont des bonnes idées, bien sûr. Il faut quand même écouter les gens autour de nous. Ils nous donnent des bons commentaires, on les prend et on peut les améliorer, nos illustrations. Mais à la base, c'est votre illustration. Vous en faites ce que vous voulez. So what I was just saying is that, you know, this is your drawing, and so you can create it the way you like, make the dragon any way you want. And don't listen to what people say about your drawings, unless it's something that's very positive and can help you grow. And in that case, sure, pay attention to what they're saying. If it's worth it to you, then take it in, accept it, and make the changes to your drawings. That's awesome. All in all, this is your illustration. You can do whatever the heck you want. If you want to put a pair of underwear on your dragon, then put a pair of underwear on your dragon. You know what I mean? Ce que je disais en anglais, c'est que si vous avez le goût de mettre une paire de petites culottes à votre dragon, des bobettes, ben gênez-vous pas, mettez-en. Ça peut être très drôle, puis pourquoi pas, c'est votre illustration, vous êtes le maître de ce dessin. Alors, la personne qui m'a demandé de faire un dragon, cette fois-ci, voulait un dragon qui expire du vent, ou qui crache du feu. Alors, j'ai décidé de faire en sorte que le feu sorte des narines. Et donc, pourquoi pas, c'est un look qui est pas mal cool, c'est un effet assez intéressant. Et voici comment on dessine du feu. So, the person that asked me to draw a dragon asked me to draw a fire-breathing dragon. And so, I've decided to make the flames come out of his nostrils. And this is how I like to draw flames. It's sort of like hair, but much shorter. Donc, c'est comme dessiner des cheveux, mais un petit peu plus court, en fait, de mouvement pour le feu. Et bien sûr, ces éléments détachés du feu. Ça, c'est super important. Ça donne cette idée de flamme. So these little elements that you add next to the flame is very important. And what I like to do when I'm drawing flames is to make flame sounds like... It sounds like I'm spitting flame, and I know how to draw those flames better because I'm making the sound effects. Alors, ce que je viens de mentionner en anglais, c'est parfois quand je dessine du feu ou des lasers, j'aime faire le son de ces éléments-là, parce que ça m'aide à mieux dessiner ces flammes. Alors, dessiner la flamme et faire le son de la flamme, en même temps, ça donne un meilleur effet à mon illustration. Alors, quel dragon n'est pas complet sans, bien sûr, ses pics sur le dos? Alors, nous ajoutons les pics sur le dos dans ce cas-ci. So, what dragon isn't complete without spikes on his neck? And I added those spikes, but now I'm going to finish his belly. So, maintenant, compléter son sa bedaine. Et quelques lignes de détails ici autour des plis de son ventre. A few details here on the back leg. Those skin folds back here. Very important. Alors, des lignes de plis au niveau des genoux et des cuisses. Très important. Ajouter des plis de peau ici au niveau de la jonction entre la cuisse et le corps. We're going to add some skin lines here where the leg meets the body. And I'm just going to finish the lines to my back wing here. J'ai terminé les lignes de mon aile arrière et bien sûr retracer mes pics sur le dos. Alright, retracing the spikes. That was pretty quick, and we're going to finish a few lines here for the tail. We'll barely see, the tail is going off page, and that's okay. It doesn't really matter, that's how I'm cropping my drawing. Donc on verra pas la queue de ce dragon. La queue sort de l'illustration, et c'est la façon dont j'ai décidé de renier mon image. Et renier veut dire l'encadrer, finalement. Alors nous allons dessiner chaque doigt de l'aile. J'appelle ça des doigts, mais bon, ça peut être des tiges, ou bon, peu importe. Je suis sûr que quelqu'un m'écrira pour me dire comment s'appellent ces éléments séparateurs sur une aile. So we finished tracing those fingers in between each wing section. And I'm sure somebody's going to write me with what these little dividers are. I call them fingers, but they're probably called, who knows, something else. And then we need to color the arm part of the wing. And remembering that the flame is actually producing a lot of light, you have to understand that the back parts will be dark, the parts away from the flame will be dark, the parts closest to the flame will be brighter. Alors n'oubliez pas que lorsque vous colorez, pensez que la flamme est la source de lumière, donc les choses les plus loin de la lumière, ou l'arrière des éléments qui sont face à la lumière seront foncés, les éléments qui font face à la lumière seront pâles. Et voici une technique que j'utilise pour colorer les ailes. J'aime faire un dégradé
de la partie la plus élevée de l'aile vers le milieu. Et au milieu, on rend ça très pâle. Puis ensuite, on repart un dégradé en sens inverse. Donc, à partir d'ici, vers le bas, c'est plus foncé. So, this is the sort of gradient technique that I like to use for my wings, is I like to make it really nice and dark towards the top of the wing, and then use a gradient working my way down. And in the middle of the wing, I leave it white, so it looks like a nice reflection coming across, and I add a few lines through here, like this. And the bottom part of the wing is very dark as well, and I use a gradient to the top of the wing, but I leave the middle part there as a nice reflection. And don't forget that this section here has to be very dark, the section behind the wing arm there, because the flame is producing shadow. Alors, on finit ce côté-ci. Voilà, très sombre en haut. N'oublie pas que cette aile produit une ombre. Et il ne faut pas oublier les plis dans l'aile. Alors, ces lignes représentent les plis de l'aile. These lines here are supposed to reproduce the folds in the wing. So, these darker lines here give the idea that this wing can be folded. Donc, ces lignes donnent l'impression que le dragon pourra plier son aile sur lui-même. Et ici, ça devrait être très foncé. Et ici aussi sur les coins. So these extremities need to be very dark. You can put a lot of contrast in this section. There we go. Each little divider. And then we'll color in the back wing fully. Alors nous allons colorier l'aile arrière en entier. Je vais accélérer le processus pour ceci. Parce que c'est assez ennuyeux de me regarder colorier. Hein? C'est pas là qu'est le... La magie, on n'apprend rien à dire, ben remplissez ça d'un foncé. Pas grand chose à apprendre à ce niveau-là, donc j'accélère le tout. So I'm coloring the back wing here. There's not much to learn about the coloring part. It's just filling it with a dark color. And so I'm accelerating this portion of the drawing. All right, and we're going to reproduce that sort of folded feel to the wing. Alors nous allons reproduire cette idée de pli au niveau des ailes avec des lignes ici que je remplis plus sombres. À l'intérieur de cette aile. Alors, il va en avoir quelques-unes comme ça. Un autre pli ici, puis un autre pli plus haut. So, a few folds here going down that wing. I'm going to retrace this outline, make it a bit darker. Je vais retracer la ligne de contour, faisant en sorte que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà, pas mal. Ça en vient bien. Let's come along. This is a 30-minute video. C'est une vidéo de 30 minutes. J'espère que vous serez patient assez pour passer à travers. I hope you'll be patient enough to get through the 30-minute video. I'm suspecting you'd learn a lot about this one. Je crois que vous apprendrez beaucoup à propos de cette illustration. Alors, des petits détails ici et là, au niveau des ailes. Just adding a few details here along the wing line. I'm just adding a few lines. J'ajoute seulement quelques lignes pour donner un effet de détail. Et maintenant, nous allons colorier le cou au complet. And now we're going to color the whole neck part of this dragon. Now keep in mind that the head here, because of the flame, should be producing a nice shadow on the neck. Donc ce que je viens de montrer en anglais, c'est que la tête, à cause de la flamme, devrait produire une ombre sur le cou. Hein? Et donc la jonction entre la tête et le cou devrait s'avérer être très sombre là-dedans. Donc ici, là, très foncé. So this section here should be really dark. Because I want that flame to look like it's really producing a light. And then the back part of the neck will be really dark as well. Donc cette section ici arrière du cou sera aussi très sombre, puisque cette section-là n'est pas illuminée par la lumière. All right, this part has to be really dark. And we're going to add a little bit of a darker edge to it, so that it looks like we're giving a 3D look to the neck. Donc, nous allons ajouter un petit espace plus pâle à l'arrière du cou pour faire en sorte que le cou ait l'air plus 3D. Et bien sûr, son corps en entier aura le même gris que le reste de son cou. So, his body has to be the same shade of gray as the neck. Right? The base gray color that we used for his neck will be applied to the whole body. And his arms as well. Et ses bras aussi. Faut pas oublier que les bras devront avoir le même gris que son cou. Et sa tête, même chose. His head as well needs to be the same gray. I'm going to color that in high speed. Remember to pause the video so that you can catch up at any point in time. And, you know, feel free to control the video on YouTube as you need to. Pause it, rewind it, watch it over and over again if you have to, and that's okay. That's what this video is all about. You guys take your time.
Ok, donc si vous trouvez que je dessine trop vite, n'hésitez pas à contrôler la vidéo YouTube. Arrêtez-la, reculez-la, réécoutez-la autant de fois que vous avez besoin. C'est le but de ces vidéos. Alors, n'oubliez pas que sur son museau, il y a un grand reflet de feu. Alors, il faut garder le museau très pâle, mais l'arrière de la tête plus sombre. Donc, en dessous de la mâchoire, ça devrait être plus foncé. Ici, au niveau des pics, ça devrait être plus foncé aussi, parce que c'est plus loin de la lumière. Et puis, il faut s'assurer que l'œil soit très pâle. So, what you need to do is keep in mind that the flame is producing a very bright light, and that bright light should reflect on his nose and his chin. So for the front of his face needs to be very bright, the back of his face needs to be very dark, and these spikes are also in shadow because his head is making a shadow onto those spikes. Alors même les pics auront une ombre parce que la tête produit une ombre sur les pics, et ses sourcils peuvent produire une ombre sur son front. So even his eyebrows produce a shadow onto his forehead. And so we're going to darken certain section, and magically I change tool here to erase to make little white reflections on his ears. Alors d'une façon magique, je change d'outil pour faire en sorte que je puisse effacer des sections de mine pour faire en sorte de faire des reflets sur ses oreilles. Et avec mon crayon, je vais maintenant noircir certaines sections autour des yeux, par exemple. So then with my pencil again, I'm going to go back and redarken certain parts of his face. Like behind the ear here needs to be nice and dark. This section here maybe is making a shadow because of, it's farther away from the flame. Cette section est plus sombre parce que c'est plus creux dans le visage. Voilà. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous ont des difficultés avec l'ombre et la lumière, mais ce que vous devez faire, c'est prendre des exemples réels dans la vie pour dessiner de l'ombre et de la lumière. Donc, faut s'asseoir devant une plante, faut s'asseoir devant un meuble et essayer de dessiner ce que l'on voit. Puis vous allez voir très bien là, les éléments plus foncés que d'autres. Et puis, vous n'avez pas le choix de pratiquer ces éléments-là pour pouvoir les mettre dans vos dessins tous les jours. So if you want to, I know a lot of people are having a hard time at home drawing shadows, but the only way you can understand how shadow play works is by looking at real objects around your house, a plant, a piece of furniture, and draw what you see. It doesn't matter if the drawing comes out like perfect or not. The point is to understand how the shadow plays on an object. And that's what I'm doing here with my dragon. This section here is going to be very dark as well, as the head is still producing a shadow on the neck portion. Alors cette section sera encore très sombre, puisqu'on comprend que la tête produit une ombre sur cette partie du corps. Puis je vais colorier le reste avec un ton de gris un petit peu plus pâle que son corps. So I'm going to color in his body part here and make it just a little bit lighter than the rest of his body, and then add the shading aspect to each section. Donc je vais ajouter un élément d'ombre à chaque section de sa poitrine et de son cou pour donner cet effet de rondeur. Puis bien sûr, ce côté-ci est sombre parce que c'est une projection d'ombre sur son corps de par ses sections de son torse. So these little sections here are rounded. And with the shading, we'll make them look rounded, and then they're producing a shadow onto its body. All right. A lot of detail today, isn't it? Beaucoup de détails aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, cette section aussi sera très, bon, disons, aura de l'ombre du côté gauche, et même la partie supérieure aura une partie plus sombre, puisque la lumière n'atteint pas cette section. Et l'ombre sur le corps. Let's not forget the shadow on the body. And the under section here is not hit by light at all, so this part has to be darkened. Donc cette section-ci en dessous de la bédaine devra être sombre parce qu'elle n'est pas atteinte par la lumière provenant du feu. So is this section of the arm. This section needs to be nice and dark as well. Cette section du bras devrait être foncée aussi. Le pic du bras. La courbe du bicep, the curve of the bicep needs to be darker. Nice and dark back in there. This section is not facing the flame. Cette section ne touche pas la flamme, donc très, très foncée. Et bien sûr, l'arrière ici, bon, ça sera quand même pas mal sombre. Très, très sombre. Very dark for this section back here. And for the underbelly, it's going to be very dark as well. Needless to say, the light doesn't get there, so can't make it too bright. It wouldn't make sense. All right. Maintenant, nous allons ajouter des éléments réflectifs. Donc,
des taches de lumière sur le torse, ce qui donne cet effet de brillance. Donc, je ne fais qu'effacer la mine dans chaque section, en m'assurant de laisser quand même de bonnes sections grises. Okay, we need to erase certain portions here to make it look like the light is bouncing off this body, but don't erase too much graphite, or else it won't look realistic. All right, so nice and dark around the eyes. And in the nostrils. And now remember how I said this shoulder part needs to be really rounded, so we're going to round it out with shadow. Donc comme j'ai dit plus tôt, l'épaule devrait être très arrondie et nous allons donc créer une rondeur avec de l'ombre. Alors le côté gauche devrait être très foncé et puis nous utiliserons un dégradé pour aller vers la droite. Donc de gauche très sombre vers la droite très pâle, puisque la lumière vient de la droite, le côté droit devrait être plus pâle et ça donne cet effet de rondeur pour l'épaule. Même chose pour le triceps. So because the light is coming from the right, all the right side of this body part needs to be bright, and the left side of the body part needs to be dark. So left dark, right bright, it sort of rhymes, and we're going to color that in to give it nice roundness. Make it nice and dark back here. There we go, and definitely the arm is producing a shadow on the body. Donc, définitivement, le bras crée une ombre sur le corps. Et puis, donc, je vais représenter cette ombre rapidement. Et très foncé derrière le bras. Parce qu'imaginons que si le dragon ne respire pas du feu, on ne verrait même pas le dragon. Alors, so in my imagination, if the dragon wasn't breathing fire, we wouldn't even be able to see the dragon in this drawing. Alors, maintenant, nous allons effacer des parties du bras gauche pour faire des reflets de lumière provenant du feu. So on the left arm now, we're going to erase certain portions of the graphite to give that idea of light coming off the dragon's flame. Now we're going to color his back leg here and fill that in. Make it all nice and dark. This is the portion farthest away from the flame. Alors cette section-ci que je colore très sombre, très, très foncée, est la partie la plus loin, en fait, de la flamme du dragon. Avec un petit dégradé, bien sûr, de la gauche vers la droite. Et la partie droite devrait être la partie la plus pâle, la plus claire. Et puis ensuite, on colore, bien sûr, l'arrière, le dos, en fait, du dragon, parce que la lumière n'atteint pas cette partie non plus. Alright, so we also need to color the back of the dragon because the flame's light can't reach that section. And there we go, this drawing is coming along fine. I hope you're enjoying it at home. Practicing and following along, that's the whole point to these drawings. J'espère que vous aimez ou que vous suivez présentement cette illustration et puis que c'est positif pour vous comme rendu. Alors, je vais encore une fois effacer des parties réflectives du dragon, comme ceci. Ajouter un petit peu plus de détails. We're going to add more reflective areas and add more detail, adding scales. So here are the dragon scales. Donc, voici maintenant les écailles du dragon. Je donne un effet un peu poisson. Un peu comme la sirène qu'on a fait il y a quelques mois. So this looks like the mermaid we drew a few months ago. And so I'm just going to draw a whole bunch of these things all over the place. Donc je vais dessiner un paquet de ces détails comme ceci, un peu partout sur l'illustration. Faut pas oublier les bras, don't forget the arms, guys. Alright, so this is what gives more realism to our dragon. Ce qui donne un petit peu plus de réalisme à notre dragon. Des détails supplémentaires. Un peu là, puis... faire ça un petit peu plus rond, make this a little bit rounder. Et maintenant, il faut colorier le fond. So now we need to color the background. And that'll be the last step for today, is coloring the background, making it nice and dark to counteract the effect of the flame. Donc l'arrière-plan, le background, devra être très foncé, mais plus qu'on s'approche de la flamme, plus que ça sera pâle. Donc, alors, je vais utiliser une technique ici qu'on appelle hachure. Donc, j'hachure le fond. I'm using cross-hatching to fill the background. And the closer we get to the flame, the brighter it's going to be. So I really hope you enjoyed this drawing today, dragon, breathing
fire dragon, and draw yours and send them to me on my Facebook page, Drawing with Paolo. Alors, j'espère que vous avez aimé ce dragon. Dessinez votre dragon et envoyez-le-moi à Drawing with Paolo sur Facebook. Ça m'a fait plaisir de dessiner avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et on se reverra la semaine prochaine. Thanks for drawing with me today. We'll see you next week for another drawing with Paolo. See you soon. Bonne journée. À bientôt.